mola 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 nakatanga mola da Lubumbashi mola ekiti yango moko ti awa nakatanga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Mola. Car ane biso to lobaka biso awa to palpaka réalité zate ke o to zolo ba to loba me ba réalité zate non to kiti awa nakatanga na Lubumbashi pour venir assister à l'ouverture de l'hôtel Hypnose. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit l'hôtel Hypnose, ce beau édifice, ce beau bâtiment peint en blanc. Alors, pour rappel, je rappelle déjà que Hypnose existe au Katanga depuis il y a de cela 5 ans. Hypnose, c'est un grand bâtiment, c'est un monument ici à Lubumbashi. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, nous retrouvons beaucoup de choses. Dans ce bâtiment, c'est un centre commercial, il y a des pharmacies, il y a des boutiques, il y a des supermarchés, il y a des salons de coiffure, il y a plein d'autres choses. Alors, Hypnose a décidé d'ouvrir l'hôtel Hypnose. C'est pour cela que nous sommes ici à Lubumbashi. Ensemble, nous allons assister à la cérémonie d'ouverture de l'hôtel Hypnose. C'est la fête ici et nous allons voir comment la cérémonie se déroule tous ensemble, mais aussi nous allons visiter l'hôtel Hypnose car c'est un grand hôtel. Nous rappelons qu'à l'intérieur de ce bâtiment, il y a 30 chambres dont 3 grandes suites. Je vous laisse regarder les images et on se retrouve tout de suite après. Thank you.
Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Professeur Banza Malale Makuta Gabriel. Alors, professeur, aujourd'hui, nous avons assisté tous ensemble à l'ouverture de l'hôtel Hypnose. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? C'est parmi les actes positifs que nous mettons à l'actif de la personne ou du personnage Joseph Kabila et couple. C'est à la différence du théâtre à quoi on nous livre, du détournement, de la dilapidation et de tout ce que l'on vit comme folie dans la jouissance démesurée. Voilà un peu. Et nous louons, dans la ville de Lubumbashi, on vient de consacrer un monument qui traduit l'élégance, la propreté, le luxe d'une valeur appréciable à la hauteur de la ville. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que ce monument est profitable pour la population de Lubumbashi? Pas pour la population. Ça élève la ville de Lubumbashi à un seuil, tel que quand on qualifie les villes, on les qualifie en fonction de nombre d'étoiles. Ça constitue une étoile supplémentaire pour quitter le niveau primaire à un niveau secondaire. Quitter le niveau secondaire à un niveau tertiaire. Donc vous comprenez un peu, aujourd'hui, un blanc qui vient des États-Unis n'a plus le complexe de trouver une place à Lubumbashi. Nous pensons que c'est une sommité. On a constaté, on a vérifié, on a vécu toutes les chambres, selon leur niveau, situées à 3. Et nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur luxe qui dépasse celui-là dans la ville de Lubumbashi. Et même dans le pays, ça vaut mieux. Alors, nous avons fait un constat également. Nous avons remarqué que la majorité des personnes qui y travaillent sont des jeunes. Alors, quelle impression ça vous a fait de voir cela? C'est un chômeur de moins. Là où le chômage est en train de causer la gangrène dans la société. Et nous pensons que de telles actions doivent être multipliées dans un sens ou dans un autre. Et ça mérite d'être salué, encouragé pour un plus. Un mot de la fin? Oui, moi je l'ai toujours dit. Je l'ai invité à quitter les champs. Quand j'ai été chez Chip, hospitalisé et mourant, et j'ai déclaré que Madame Olive Lembe Kabila doit faire un effort pour quitter les champs, pour quitter le travail de laver les blessés, les mineurs, les enfants qui sont éprouvés, pour se jeter dans la société active. Et ceci, c'est l'une de mes réponses à mes préoccupations. Et je la salue et l'encourage. Que Dieu lui prête une longue vie et multiplie encore davantage son intelligence. Honorable Kaozi Bin Malisawa, député national. Oui, vraiment l'impression de joie dans le sens qu'on n'a pas promis, on a réalisé dans moins de 9 mois. Nous avons cette œuvre et que la ville de Lubumbashi vient d'ajouter le nombre de chambres que la population venait parfois. Les hôtels sont à saturer. Maintenant, on vient d'ajouter aujourd'hui autant de chambres encore là-bas. Ça montre que Maman Olive, elle est là pour réaliser seulement au lieu de promettre. C'est ça. Puisque c'est le centre-ville, aujourd'hui, le bâtiment comme là où nous sommes aujourd'hui, l'Hypnose, c'est le monument du Katanga et que tout le monde qui vient en vue de Lubumbashi, tout celui qui dira que j'étais à Lubumbashi, il faut qu'il puisse passer ici à l'hôtel Hypnose, à l'Hypnose. Donc l'hôtel est à un bon endroit où c'est le centre-ville. Donc quelqu'un qui est ici ne peut pas chercher le transport. Le transport se trouve sur la place et l'homme peut le transporter. Vous voulez aller à Kolwezi, vous voulez aller où? L'hôtel le plus proche, c'est celui-ci. Il faut être ici. Parce que il y a même le parking de véhicules ici qui va à Kolwezi, qui va à Likasi. C'est pour vous dire que c'est un endroit vraiment approprié pour cette œuvre qu'on vient de réaliser à Lubumbashi aujourd'hui. C'est déjà un plus, puisque vous avez vu qu'il y a un moment donné que les vieux loups ont travaillé, à un moment donné ils sont fatigués, il faut que la jeunesse puisse être formée et surtout nous remercions toujours Maman Olive dans le sens que tous les jeunes qu'il est en train de prendre, il les forme d'abord. Et quand vous le demandez, ils sont bien, bien,
bien formés pour leur service. C'est pour cela que nous remercions. Et j'ai dit à Maman Olive que on est chaque fois que ou comme Maman Waro, la population y a vu à Lubumbashi, y a Katanga yote en général, tu n'as qu'à remercier quoi qu'on a que on a tout kumbuka quoi, tu n'as tout tenir vite bizuri, du intérêt à la population yote à Congo, y a une agirande de Lubumbashi, puisque Léo comme on va trouver au Kinshasa, quoi que Lubumbashi c'est difficile, mais va tenir au fil cap, mon hôtel est toujours attiré, mais on doit en gazer. En plus, j'ai dit Maman, merci quoi qu'on a fait ni, on a tout mis accent sans. Je suis Madame Lydiane Nabami, présidente du conseil d'administration des coopératives agricoles et d'élevage et ambassadrice de la paix agricole en RDC. Madame, comme je viens de me présenter comme agricultrice, pour moi, j'ai une joie que les autres n'en ont pas. Quelle est la joie? Je viens de me retrouver, nous les femmes rurales, nous réalisons les œuvres d'art, notamment les tableaux qui sont réalisés à base de céréales, notamment les riz, les soja, les arachides et tant d'autres. Mais à ma grande surprise, Maman Waro, un jour, elle avait acheté des tableaux dans une des expositions, nos tableaux de femmes rurales, réalisés à la main. Et aujourd'hui, je retrouve ces tableaux dans l'hôtel 5 étoiles. Vous pensez que je peux avoir la joie comme tout le monde? Je pense que ma joie est au-delà de tout le monde. De voir l'œuvre que la femme rurale est en train de réaliser pour l'initiative d'économie sociale, l'entrepreneuriat au niveau des villages et aujourd'hui, au-delà de ce qu'on a amené de l'extérieur, des designs, quand tu regardes des matériels auxquels on a utilisé pour construire cet hôtel, ce sont des matériels de haute facture. Mais sur les hautes factures là, on prend l'œuvre de la femme rurale qui est réalisée à la main. Donc j'ai une joie que tout le monde n'en a pas ici. C'est un signe de reconnaissance, de remerciement auprès de la distinguée Maman Waro qui continue à nous parrainer, à nous valoriser, nous les femmes rurales, à qui nous reconnaissons notre marraine. Elle qui est la première femme rurale pour la promotion de la femme rurale. Maman, deuxième aspect de cet ouvrage, d'abord c'est la création d'emplois. Il y a la fierté de voir que l'œuvre de l'entrepreneuriat, de l'investissement congolais d'abord, pour les Congolais, et quand on est entré dans l'hôtel, on a trouvé la majorité des gens qui sont entrés, qui vont travailler et qui ont déjà commencé à travailler, ce sont les jeunes. Et nous sommes dans le processus de la création d'emplois pour diminuer le taux de chômage en RDC. Donc, ce processus est effectif. Et pour moi, c'est une fierté de voir qu'on peut investir chez nous dans 9 mois, on vient de réaliser tel ouvrage, et dans 9 mois, on peut embaucher des gens sans toutefois faire des tambours. Donc c'est une fierté pour moi. Maman Waro, c'est une femme très exceptionnelle. Pour moi, c'est un modèle de leadership. Et nous, en tant que femmes, nous devons avoir des repères. Nous devons avoir des modèles. Des fois, je suis chrétienne. Nous lisons que des bonnes œuvres dans la Bible. Mais tous ces gens-là, nous les lisons par la foi. Mais s'il y a possibilité de vivre d'autres personnalités qui sont vivantes aujourd'hui et ils réalisent autant d'œuvres pour la promotion des pays, la promotion de la génération, mais aussi les empreintes qui sont en train de rester pour la génération future. Donc Maman Waro, telle qu'elle a été surnommée Maman Waro, ça signifie le cœur. Et c'est un cœur qui est vivant, c'est un cœur qui bat et c'est un cœur qui est sensible. De Kinshasa à Lubumbashi, Tomoni Osusrawa Lelo, pour l'inauguration et à l'hôtel Hypnose, l'impression dans les amis par rapport à nous. L'impression dans les amis très positive et surtout il faut qu'on félicite ces gens d'investissement parce que c'est la preuve qu'investissement initial et marché pour produire et l'eau quasika. Parce que l'eau quasika, partout au monde, au moins la même empire mounène et banda en fait, et l'eau comme si un jour, surtout que l'empire et Sanine et Colipo, ils ont bien géré l'empire Mouké et construit deuxième, troisième, ainsi de suite. Donc, on a souhaité que la monique espace et Sanan, l'idée est les sous pour que, mais l'eau mot quand même, c'est impressionnant, c'est parce que ça a pris 5 ans. On est à Awa. Bah, inaugurer qui est un bâtiment Hypnose, c'était le 5 novembre 2018, si j'ai bonne mémoire. Les lots, 5 ans après, à un jour près, toi le 4 novembre, les lots, à un jour près, ça dit 5 ans. C'est la preuve que tout est rationnel. Alors, tout le monde bâtiment, oh, oui, c'est qu'à en 9 mois.
Est-ce que c'est possible? Parce que tout le monde a un peu de projet et belé, ils ont 3 ans, ils ont tout ça, ils ont raté. Et alors en 9 mois, est-ce que c'est possible de pouvoir faire un projet, un si grand projet, dans 9 mois? Vous savez, la réussite d'un projet, c'est d'abord son maître d'ouvrage. Et ça, d'abord, Moutou, Oyo, Aïnga, Tongsa. Le projet, monsieur, c'est 3 ans. Ils ont faute à projet, ils ont faute à architecte, ils ont faute à maître d'ouvrage. Yo moi Mikolo mboko la biso c'est tout mon vivre kaka frappe tout mon vivre kaka yo kaka mon a projet 1 an et connaître 3 4 paiements mais pour aussi la 3 ans après alors ils ont projet à 1 an. Bon, je ne vais pas na ke na ba chawana et le gagnant le ba par là c'est qu'il faut féliciter maître d'ouvrage, c'est-à-dire 9 mois existera seulement si maître d'ouvrage donne des moyens et fait les suivis. Pour au moins architecte et tout constructeur à respecter le délai, suivi il faut ça. Il faut ça. C'est-à-dire, on a zo le bac, il faut boire qu'il y a des fleurs, il y a des initiateurs, il y a des gens. Tout le monde peut faire un plus pour la jeunesse, parce que tout le monde, la majorité, tout le monde est salawana, parce qu'il y a des jeunes. L'impression dans les années par rapport à la jeunesse, il y a en activité, la place. En fait, ce qu'on demande à toute personne dans le Canaé, à participer à l'effort et à développement. Il y a une chose qu'il faut relever, c'est très important. Être président de la République, et Ali Ponago, il y a un projet où il tombe la mboka. Mais en tant que président de la République, aux appelandambo où il va foutre à Kayo. Où il va foutre à Kayo et commencer à son initiative privée. Est-ce que vous avez un fait? Est-ce que vous tient un compte dans l'Ibanda? Les discours c'est bien. Les discours c'est bien. Mais que ça là et loco résister moi un ami sur bateau, c'est mieux. Alors, un mot pour maman Oli. Bon, au moment que Nalobi initiateur et bandeliti souka pour n'avoir qui n'a gagné et comme au non, mais Nabi hein. Seul le voir ou associer combo naïe. Si on a obligé la zone là-bas, œuvre nous sur Oyo, Oya Salak. Donc le monde ne peut pas se limiter, mais le monde, ce n'est qu'une goutte d'eau, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Donc moi, je crois qu'on a eu une grâce de l'avoir comme Congolaise. Ce qui est plus sûr, c'est que ton dimité, nous allons continuer à tomber là. Voilà. Mes impressions sont meilleures puisque il y a de cela 5 ans, j'étais dans ce même bâtiment à l'inauguration de ce grand bâtiment, ce complexe commercial. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'inauguration, mais il s'agit de l'ouverture de Hypnose Hôtel. Pourquoi l'ouverture? Puisque à l'époque, vous savez, avec la crise sanitaire qu'avait eu, avait été frappé par le pays. Donc il y a eu diminution de travaux, il n'y avait pas assez d'engouement. Seulement qu'on a dû arrêter les travaux pour réorganiser, réfectionner, retravailler, moderniser l'Hypnose Hôtel. Et cela a été fait. Et aujourd'hui, on a procédé à l'ouverture pour permettre aux touristes, permettre aux usagers d'être en possession de ce magnifique hôtel que j'ai beaucoup apprécié. Et beaucoup plus, j'ai apprécié les suites, hein, les 3 suites qui se dénomment Kashamata, Kundelungu, Kimono. J'ai beaucoup aimé puisque ça donne vraiment de l'importance à ce qu'on attribue à ce complexe touristique, mais également l'emploi qui vient d'être créé au bénéfice des Congolais. Voilà, Balandiamola, je pense que tous ensemble, nous avons suivi comment la cérémonie s'est passée. Nous avons suivi comment est-ce que l'hôtel a été honoré par plusieurs personnes, mais également nous avons visité l'hôtel Binomoko Bumuni. Ezatekeo, ezalaki, ebandaki, esalaki non, parce que biso a na mola, to parle pas ka vérité et to parle pele bino réalité. Il y a Hypnose Hôtel. Alors, je remercie Batunyonso Oyo ba participer na émission na biso pour ezalelengi. Merci également na équipe technique nanga ya lelo, Damien Dimonekene à la caméra, Radin Kossi au montage. Je ne pourrais terminer cette émission sans pour autant remercier le couple Kabila, parce que ce sont eux qui ont permis à ce que Mola
descendent ici à Lubumbashi pour venir palper les réalités. Alors merci à papa Joseph Kabila et maman Olive Lembe Kabila de nous avoir fait venir ici à Lubumbashi pour palper les réalités. Merci pe na bino nyonso ndeke bozoma ka ebele partout dans le monde. Na monaka ba commentaire na bino, merci beaucoup pe na ba encouragement na bino. Alors tokutani bongo très prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso Marie Olive Lembe en action. Merci et au revoir.